si j'avais à faire une description exhaustive du personnage de Giono tel que je l'ai connu, tel que j'ai continué à l'imaginer après sa mort, et tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, j'avoue que je ne sais pas ce que je mettrais. Je ne sais pas comment je m'y prendrais. Il ne pourrait apparaître dans sa réalité, si bizarre qu'il paraisse, qu'un personnage de roman. Parce qu'alors, un personnage de roman, on pourrait l'éclairer de divers côtés. On pourrait le... comme vous mettez vos caméras pour éclairer le champ d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait prendre le journal. Il faudrait prendre les divers éclairages, tous les visages qu'il a présentés diversement à tant d'auteurs. Par exemple, à Jean Carrière, le visage qu'il a présenté à Jean Carrière, moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu Giono tel que Carrière le décrit. Jamais. Si j'avais à présenter Giono, oui, je crois que j'en ferais un roman, plutôt qu'un personnage réel. On a souvent parlé de moi sans jamais rapprocher la vérité. Toutes les contradictions de l'être humain, dans leur quintessence, Giono les portait en lui. C'est pour ça qu'il est indescriptible. Il portait tout en lui, les choses les plus vilaines comme les plus sublimes. Et il est porté à la puissance X. Et tout ça, il le semait derrière lui, autour de lui. Le jour où il a dit à Giraud, son premier employeur du comptoir d'escompte, le patron, qui lui dit « Tiens, c'est curieux, il y a au moins 10 jours que j'ai plus vu M. Bardouin. » Et Giono lui répond froidement « Mais il est mort !» Il est mort la semaine dernière. Et comme c'était un gros client de la banque, l'autre, il saute au plafond, il dit « Comment? Mais il est mort, mais je ne l'ai pas su, etc. » Ça a duré. Ça, c'était le genre de plaisanterie qu'il adorait faire. Et alors, ce genre de plaisanterie dit, avec cet œil marcessible, cet œil qui n'exprimait rien, ni l'ironie, ni le... c'était extraordinaire, parce que tout le monde le croyait. C'est d'ailleurs une des choses qui lui ont été reprochées, c'est le fait que il était crédible. Il était extrêmement crédible. Et d'ailleurs, toute son œuvre le prouve. Toute son œuvre que tout le monde lit prouve qu'il est crédible, et il était crédible dans sa personne aussi. Et les gens qui avaient le malheur d'y croire, c'était épouvantable. Le nombre de gars que j'ai vu sortir de chez Giono en disant « Ah tu sais, Giono m'a dit, etc. » Je ne citerai pas des apprentis artistes ou des apprentis écrivains. Ou, dit, oh, ouais, Giono a envoyé mon manuscrit à un tel. Il y a le Giono antérieur à ma naissance qui est dans le système manosquin déjà. Et puis cette extraordinaire vision de cet homme montant l'escalier de la plaine, apparaissant avec son chapeau entopé, et dessous ce visage avec ses yeux qui sont absolument indescriptibles. Le regard que Giono jetait sur Manosque, en dehors de toute autre considération, était un regard que je ne pouvais pas décrire, que je pouvais à peine soutenir. Il n'en est pas question, parce qu'il ne soutenait jamais le regard de personne. Il avait un regard qui était à l'horizon. Un jour, il m'a dit, tu sais, moi, je suis comme le peintre, il m'a dit un nom, il m'a dit, ce peintre-là, il disait, aujourd'hui, je ne vois que les cravates. C'est un truc. Ce regard bleu, quand je le voyais, même à l'âge de 10 ans, je ne savais pas ce que c'était que la littérature, je pensais, et j'ai toujours pensé, le regard bleu naïf. C'est un truc qui est, pour moi, l'essentiel de Giono, même sachant aujourd'hui
tout ce que je sais, par ses œuvres et par lui-même, qu'il ne pouvait pas être naïf. Mais le regard bleu de Giono était un regard bleu naïf. Il jetait sur le monde. Je me souviens un jour où il est passé à côté d'une bonne femme qui était en train de transporter une petite casserole émaillée, et il a dit « Ah, vous portez la casserole du chocolat ?» Voilà, il voyait une casserole avec du chocolat dedans. Bon, on racontera pas toutes les histoires des sabres du grand-père, ou bien le marteau, le marteau de cordonnier de son père, qu'il crut un jour reconnaître chez Antoine Rico, qui avait pris la succession du père Pourcin, imprimeur, le fameux oncle. Et alors, le jour où j'y étais, le jour où il a vu ce marteau, il a dit « Ben, c'est le marteau de mon père hein !» Ça, c'était ça. Et il regardait ça avec cet œil bleu, cet œil que je n'ai jamais rencontré chez personne. C'est le regard de Jean-Baptiste. C'est vraiment le regard de quelqu'un qui voit autre chose que le monde. Sans ce regard, il n'aurait pas écrit cette œuvre. Je pense que le regard faisait partie de son entéléchie, de son intégrité, du fait que je pense que c'est un regard d'écrivain, finalement. D'un des cinq écrivains du XXe siècle. Je ne citerai pas les quatre autres. Parce que j'en serais incapable. Je dis cinq pour envelopper les choses. En fait, je pense deux. C'est-à-dire Giono et Marcel Proust. Et donc, quand je voyais Giono monter cet escalier de la plaine, apparaître, parce qu'il montait, il y avait les marches, et je voyais d'abord le chapeau, et ensuite, parce qu'on était toujours suspendu à ce boulevard de la plaine. C'est un endroit, il en parle d'ailleurs dans le Moulin de Pologne, de cette promenade. Et ça, c'était le lieu de rencontre de tout Manosque. Les pauvres, les riches, les vieux, les jeunes, etc. On allait tous se promener là-dessus. Et donc, Giono passait devant moi quand j'avais 7 ans, 8 ans, 10 ans, et je voyais cet homme. Et en plus, ce que j'ai raconté à Aline qui m'a dit que j'étais un menteur, un jour, c'est Mowgli. Alors ça aussi c'était indescriptible. Des chaussures qui étaient longues comme ça, avec au bout, elle faisait la corne de bouc. Elle faisait la spirale, et c'était rouge. Et ça ne faisait pas de bruit, parce que dessous, il n'y avait pas de semelle. J'avais enregistré tout ça, moi, quand j'avais 7-8 ans. Alors, c'était déjà un personnage. Et il avait des capes. À ce moment-là, il portait des capes. Il avait des capes de bure, toujours de très beaux, parce que Giono a eu ceci de particulier. Dès le commencement de sa vie d'écrivain, il a su s'habiller avec des tissus de qualité. Il était toujours habillé avec des tissus de qualité. C'était jamais des choses courantes. Et je voyais cet homme, donc je ne savais pas ce que c'était qu'un écrivain. Je me souviens toujours le jour où Jacques Michel m'a dit « Tu vois cet homme là-bas, cet homme qui est avec Giono, qui a un chapeau cabossé là, c'est André Gide. » Mais j'avais jamais non plus entendu parler d'André Gide de ma vie. Donc j'ai connu cet être et ses visiteurs bien avant de lire quoi que ce soit de lui. Et je me souviens que mon père avait dans la ruelle de son lit, il avait, c'était un de Beaumune. Il y avait un de Beaumune dans l'édition Grasset, là, avec le cercle bleu autour. Et je me souviens que j'avais ramassé ça, donc ça se passait vers les années 1931, je devais avoir 9 ans. Et ma mère a pris le livre, me l'a arraché des mains, en disant « il écrit des saloperies ». Parce que, et alors, elle a dit à mon père « Mais oui, écoute, tu n'as pas vu à la page, je sais pas, il avait écrit « Merde dans sa main » et il tripotait le blé avec ça. » C'était le truc. Et c'est vrai qu'il y a ça dans une poubille. Et bien, quand je connais Giono, je n'ai jamais rien vu de lui, bien entendu.
Nous avons 15 ans avec mon ami Jeff Scaniglia et nous avons décidé, ou plutôt lui a décidé, parce que c'était lui le décideur, moi je suivais. Bon, il a décidé de créer un journal pacifiste. Il est pacifiste à ce moment-là, moi je suis pacifiste aussi, et nous avons décidé de créer un journal pacifiste parce que nous venons de rentrer aux auberges de jeunesse. Mon père est communiste et le père de Jeff est socialiste. Bon. Nous savons que Giono est pacifiste. Nous le savons par la rubeur, nous le savons, mais nous le savons. Bon. Et donc, il me dit, tu sais, pour vendre notre journal, il faut quand même que nous ayons quelqu'un qui fasse le poids. Parce que, bon, il ne me dit pas ça comme ça, parce que faire le poids, ça n'existait pas cette expression à ce moment-là. Mais il me dit, il faut que nous ayons quelqu'un en tête, qui fasse la tête d'affiche. Bon, il dit, on va aller trouver Giono. Alors, bon, on va trouver Giono. Alors, je lui dis, tu le connais toi, Giono? Il me dit, non, je ne le connais pas, non. Et toi, je lui dis, moi non plus. Tu as lu quelque chose, Giono? Non, je n'ai jamais lu le Giono. Et toi, moi non plus. Bon, tant pis, on y va. Alors, on monte ce fameux chemin de la montée des Banins, qui maintenant s'appelle le chemin de la richesse. Et puis, on prend le sentier que tout le monde connaît, là, avec la rigole d'arrosage sur le côté. Et maintenant, il y a les fameux arbres qu'il a fait planter, là. Mais à l'époque, ils n'y étaient pas, hein, les peupliers, ça n'existait pas. Bon. Et il y avait la vraie porte, pas celle qui a été construite, qui a été refaite en 1943 ou 1944. Et donc, on arrive chez Giono, et là, il y avait une sonnette, et bon, on était là, devant, vraiment, là on sentait l'écrivain, hein. On sentait que c'était quelque chose de particulier et que nous, on avait à se faire petit là-devant. Ça, on le sentait. C'était subjectif, mais on le sentait. Et c'est finalement, c'est Jeff qui a appuyé sur la sonnette, mais comme si la sonnette allait lui donner une décharge électrique. Il a appuyé sur la sonnette. À ce moment-là, on n'entend même pas. Tranquille, lent, derrière la porte. Et puis, la porte s'ouvre, et devant nous, on voit Élise. Élise Giono, que moi, je n'ai jamais appelée que Madame Giono. Et donc, qui est là, et qui nous dit, vous venez pour voir Jean, montez. Ça se passait d'une simplicité biblique à cette époque-là, ce genre de choses. Bon, on monte, et alors, à ce moment-là, c'était le cabinet de travail qui était à l'origine, c'est-à-dire il était au bout de la maison et pour y arriver, il fallait traverser la chambre de quelqu'un. Il y avait un lit sur le côté et puis un passage, une ruelle et au fond, il y avait la porte du bureau de journaux. Alors, nous frappons et il nous ouvre et c'est là que tout a commencé parce que moi, j'ai vu tout d'un coup... Et j'ai senti l'odeur du tabac anglais, car il fumait du tabac anglais. Et il y avait un pot en faïence de marnasse avec des lunes jaunes sur fond marron. J'ai vu ça. Et j'ai vu les plumes dont déjà il ne se servait plus. Les plumes en verre filé, là, qu'une admiratrice probablement amoureuse lui avait offert. Il y en avait une douzaine, des bleus, des verts, des jaunes. Je crois que d'ailleurs que ça n'a jamais changé. Je crois que ce petit vase avec les plumes en verre filé, je crois bien qu'il est toujours sur le bureau de Giono. Quand on prend une photographie, on voit ça. Et moi, c'était une des trois ou quatre choses qui m'a vraiment immédiatement interpellé, parce que là, je me suis dit, un écrivain, quelqu'un qui change de plume et qui écrit avec des plumes en verre filé, j'en ai jamais vu de ma vie, j'avais vu des plumes sergent-major, bon, et là, j'ai compris, et je l'ai vu, lui, devant moi, tel que je l'avais vu déjà, mais avec cette circonstance aggravante, c'est qu'il était en robe de chambre. Une robe de chambre cacatoès, c'est-à-dire rouge et verte, il y avait plusieurs couleurs mélangées. Et je me suis dit, en voyant cet être-là,
il fait quelque chose qui est vraiment une chose agréable à faire. Il écrit. Et il y avait un manuscrit. Il y avait toujours un manuscrit sur la table. Je n'ai jamais vu le bureau de Giono sans un manuscrit dessus. Il n'était jamais en train de ne rien faire. Il écrivait toujours. Ça, c'était ça le truc. C'était une machine à écrire, Giono. J'étais le ver de terre, amoureux d'une étoile. Je n'étais pas amoureux de Giono. Quelque chose en lui me tenait en respect. Je n'ai jamais considéré Pivot. Ouais, c'est ça. Bernard Pivot m'a dit Giono, c'est votre copain. Comment pouvait-il dire une chose pareille? D'abord, il savait bien qu'il y avait 25 ans entre Giono et moi, mais en plus, il y avait cette infinie distance cosmique entre lui et moi, surtout à cette époque-là. Et donc, j'étais devant Giono, j'étais au pied de Giono. J'étais exactement comme un chien couchant. Mais je ne lui parlais, ni ne. Mais j'écoutais. Et je voyais, c'était ça. J'étais ça. Voilà. La caméra avec l'oreille. Et le jour où il a dit ce que Aline m'a interdit de dire, mais que je me permets de dire parce que c'était la vérité, il a dit à Bouvet et à un de ses compagnons, je crois bien que c'était Jean Vachier, ils étaient chacun d'un côté de l'autre, et il leur a dit, tu sais, des fois, il y a des choses que j'écris. Je me dis, c'est pas vrai. C'est pas toi qui as écrit ça. Il avait conscience d'une force cosmique qui écrivait à travers lui. Je pèse mes mots. Et c'est la première fois que je dis ça parce que j'ai mis des années et des années à me convaincre de cette chose. De même que son œil bleu naïf n'était pas de ce monde, de même, c'est pour ça qu'il est un des écrivains du XXe siècle. C'est parce que quelque chose, on dit le lieu où souffle l'esprit. Eh bien, c'était ça. Giono était un lieu où souffle l'esprit. Et il n'a jamais cessé de souffler. Mais, là, j'ouvre une parenthèse, c'est exactement ce que j'ai éprouvé quand j'ai vu pour la première fois la peinture de Furio. Il y avait, entre Furieux et lui, il y avait une hauteur de vue absolument extraordinaire. Ils avaient les yeux au-dessus du monde, tous les deux, par leur œuvre et par leur, même par leur personne, cette espèce de tranquillité dans la... comment dire? Je pense que peut-être que Giono n'a jamais souffert en écrivant. Alors que tous les écrivains nous font un malheur en disant qu'ils se tortillent, que oh là là, que ça sort difficilement et qu'ils essayent d'expliquer pourquoi et comment. Lui, il n'a jamais essayé d'expliquer pourquoi et comment. Il n'a jamais fait de philosophie. Est-ce que tu penses qu'il était conscient, je dirais même, de son génie? Ah oui, ça, il en était parfaitement conscient. Oh là là, ça c'est certain, hein. Ça c'est certain, il n'avait aucun doute à ce sujet. Et il n'y avait pas à avoir de doute. Ce que je dis, c'est pas vrai, c'est toi qui as écrit ça, c'est pas toi qui as écrit ça, c'est ça, c'est se dire, mais quelqu'un me souffle derrière moi, c'est pas possible. C'est ça le génie, hein. C'est... Ah, et puis... On a écrit quand le courrier de Bannon passe à Vachère, c'est toujours le midi, et que le monde entier voit Vachère, voit tout, et que de pauvres écrivains comme moi se mordent les doigts en disant putain, j'avais pu écrire une phrase comme ça. Ce qui a été décisif,
dans la rencontre avec Jauneau, ça a été qu'il a mis à sa disposition, à ma disposition, toute sa bibliothèque. C'est ça. Et finalement, il a fait ton éducation littéraire. Absolument, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le nombre de fois, ce que je raconte dans Pour saluer les journaux, le nombre de fois, il m'a dit, ne prends pas ce livre-là, c'est un pignouf. Eh bien, avec tout ce qu'il m'a fait lire, Ibsen, Dostoïevski, Tolstoï, enfin, tous les grands, jamais, jamais, il ne m'a ouvert la bouche sur Proust. Pas une seule fois. C'est révélateur, hein, de l'antinomie entre deux génies. Jamais. Citron prétend qu'il avait Proust dans sa bibliothèque, c'est possible. Mais jamais il ne me l'a proposé. Mais alors, ce qu'il y avait de plus curieux en plus, c'est que jamais il ne m'a prêté un seul de ses livres à lui. Ces livres à lui, j'ai dû les acheter ou me les faire prêter ou les lire en bibliothèque, mais jamais il ne m'a prêté un seul de ces livres. Sauf les petits trucs pacifistes, Lettres aux paysans sur la pauvreté et sur la paix, ou Précision, ou des trucs comme ça. Recherche de la pureté, je l'avais lu dans La patrie humaine que mon père recevait. Mais jamais il ne m'a prêté un seul de ces bouquins conséquents. Jamais. Et alors m'a interrogé là-dessus, je pense que c'est par pudeur, parce qu'il ne voulait pas que moi, pas analphabète mais illettré, je puisse être mis en situation de devoir lui en dire quelque chose. Je crois que c'est ça qui faisait qu'il ne me donnait pas ses œuvres. Et Stendhal? Ah, alors là il ne tarissait pas. Sur Stendhal, c'était vraiment son dieu. Je suis allé 2 ans au Contadour. Et la première année, il s'était déguisé en montagnard. Il avait une grande cape et il avait un bonnet étoilé. C'est-à-dire un bonnet avec l'étoile savoyarde, là, l'étoile des génisses savoyardes. Et il venait d'écrire « Bataille dans la montagne ». C'est la première fois de ma vie où j'ai entendu lire Giono. Et je dois dire que celui qui n'a pas entendu lire Giono lisant ses œuvres ne peut pas savoir ce que c'était. Il y avait un fluide de plus entre la parole et l'écriture. Il nous a lu un chapitre un soir. Ça s'appelait « Le vin qu'ils ont bu à l'aube ». C'était... Ah, mais alors là, vraiment, vraiment, j'ai eu envie de lire Giono, là. Parce qu'il venait de nous lire ça, et c'était vraiment formidable. Pancras le Paquier, et tous ces gens qui sont au bord de l'eau, là, qui disent « Moi, tu vois, toi, avec ton petit bout de... » je ne sais pas le dire, bien sûr, parce que je ne me souviens plus de ça. Et pourtant, je devrais m'en souvenir des tas de choses de journaux dont je me souviens par cœur. Mais « Bataille dans la montagne », c'était très touffu, très... Il n'y avait pas de phrase qui dépassait. Lire journaux, Dieu merci, je peux le lire avec les intonations qu'il mettait. Mais quand je lisais par la suite une œuvre qu'il m'avait lue, ça n'avait plus... la même saveur. Il m'a lu, par exemple, Le voyage en calèche, il me l'a lu d'un bout à l'autre, hein. Si bien que je peux faire une citation dans le, qui est textuelle, celle-là, et que, qui n'est pas dans le texte finalement publié, hein, qu'il a été pour les acteurs. Bon. Je comprends le reste pourquoi, c'est pas la peine d'insister là-dessus, mais c'est même universel, parce que le jour où Giono m'a lu, justement, c'était au soir de l'enterrement de sa mère, le jour où Giono m'a lu 2 chapitres entiers de la Chartreuse de Parme de Stendhal, il me les a lus, et par la suite, j'ai lu 4 ou 5 fois la Chartreuse de Parme. Mais jamais, avec le plaisir que j'avais eu,
à l'entendre lire par Giono. Jamais. Le texte de Stendhal écrit me paraissait plat à côté de la manière dont Giono me l'avait ornementé. Avec des virgules qui n'existaient pas, des alinéas qui étaient... Enfin, c'était incroyable. C'était du cinéma. Giono lisant Stendhal, c'était du cinéma. Il avait quand même cette propension cinématographique. C'était quelque chose de très, 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 très ferme en lui. Il ne s'ennuyait jamais au cinéma. Pourtant, écoute, Jacques, quand on me voit tourner, moi, au bout d'un quart d'heure, je m'en vais, hein, parce que alors... Hein, eh bien, lui, non. Lui, il avait cet œil cinématographique. D'ailleurs, on peut dire tout ce qu'on veut, moi, Crésus, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est l'image, cette image qu'on voit, ce noir et blanc énorme qui éclate, cette institutrice avec son fusil sur les genoux, tout ce qu'il a inventé, tout ce qui est de l'œil. Et Fernandel en train de chercher deux œufs en tenant le journal sous le bras, pas le journal, le catalogue d'Art et Cycle de Saint-Étienne. c'est énorme, ça. Le catalogue d'Art et Cycle de Saint-Étienne qui revient très souvent dans l'œuvre de Giono, on ne sait pas pourquoi. Ah mais si, moi qui suis manosquin, je sais, il y a deux choses qui comptaient pour nous. C'était le catalogue d'Art et Cycle de Saint-Étienne et le calendrier des postes. Parce que c'était la seule chose qui rentrait dans les fermes. Les gens achetaient le cahier d'Art et Cycle de Saint-Étienne. Et le catalogue, le calendrier, il le recevait par... C'était le facteur qui l'apportait. C'était deux choses essentielles. Couteau de boucher, dit assaigné. Lame pointue renforcée, solidement montée, au moyen de rivets à rosette sur un manche hêtre, bonne qualité. Gros couteau couperet, dit à abattre. Sert à la fois de fendoir et de couteau. Dramatique. Jeanne d'Arc. Les œufs cassés. Oui. En porcelaine blanche. Les trois grâces. Les trois grâces. Vénus sortant du bain. Sortant du bain. Amour et... Psyché. Ouais. Et... Psyché, d'après Canova, musée du Louvre, patiné vieux Sèvres. Patiné vieux Sèvres. Patiné vieux Sèvres. Je vais commencer à le lire. Et je vais commencer par le commencement, si bizarre qu'il paraisse. Je vais commencer par le volume des cahiers verts, présentation de Pan. Quand on parcourt en voiture les pays qui ceinturent la Durance. Et après, je lis Colline, je lis Anne de Beaumugne et je lis Roguin. Je n'ai jamais pu lire Le Grand Troupeau. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas achevé. L'œuvre de Giono, pour moi, commence avec Bataille dans la montagne. C'est Bataille dans la montagne qui vraiment est le grand révélateur. Parce que là, j'ai perdu de vue le Giono homme que j'avais connu et j'ai découvert quelqu'un qui était capable de construire une histoire extraordinaire, une histoire avec des personnages, une histoire où il y a la nature, où il y a le bruit de l'eau, où il y a tout. C'est vraiment le Bataille dans la montagne qui m'a révélé Giono. Le genre du monde que Maggio demeure, beaucoup moins. Beaucoup moins. Que ma joie demeure, alors que ma joie demeure, ah, ça,
Ça, c'est vraiment le bouquin par lequel on est subjugué par Que ma joie demeure. Mais ça ne tient pas. C'est-à-dire que je l'ai lu une fois, c'est le seul bouquin de Genoux que j'ai lu une fois et je n'y ai plus touché. Je n'y ai plus touché parce que là, l'utopie était tellement flagrante, tellement énorme, tellement... il aurait fallu... Oh ben, je vais dire une connerie, mais tant pis. Il aurait fallu le voir avec l'œil de Cervantes. Avec l'œil que Cervantes a utilisé pour écrire Don Quichotte. Dans Que ma joie demeure, à mon sens, il y a un rêve extraordinaire pour des enfants de 16 ans, 18 ans, mais ça ne tient pas devant un homme. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai pensé. Avec... Tandis que quand j'ai lu Bataille dans la montagne, alors là, c'était vraiment les hommes. Là, là il n'y avait plus. Même la sensualité n'était pas utile. C'était extraordinaire. La bataille de Saint-Jean, et ce truc d'appeler ce gars Saint-Jean. Et Saint-Jean, c'est Serge Furiot. C'est cette. Moi, je l'ai lu en ayant toujours devant les yeux la stature de Serge Furiot, tel qu'il était quand il avait 25 ans. C'est-à-dire le carrier, hein, vraiment le gars brut, brut de coffrage, comme on dit aujourd'hui. Tu parlais aussi de Naissance de l'Odyssée, qui est à... Ah, Naissance de l'Odyssée, ça c'est vraiment... je crois que je l'ai lu avant quand même, Naissance de l'Odyssée. Je crois que je l'ai lu dans l'édition Émile Paul, je crois que c'était ça, ou Cra. Je ne me souviens plus si c'était Cra. Cra. Je crois que c'était Cra, oui. Et ce livre, que... alors là-dedans, il y a un truc extraordinaire qui est... C'est... bon, au début, Ulysse, il veut retourner à Ithaque, mais... il veut retourner, il ne veut pas retourner, il ne sait pas, parce qu'il est ensorcelé par Circé. Et alors, il est là, et tout d'un coup, un jour, il reconnaît les outres de Ménélas. Alors, au mouillage, il reconnaît les outres de Ménélas. Alors, il va vers les outres, et il rencontre Ménélas. Et Ménélas lui raconte les histoires du pays, et très désenchanté, il lui dit, tu sais, c'est toujours la même histoire avec les femmes, etc. Et Giono écrit là-dessous, il avait maintenant, Hélène, tout son sou. Ça a été ma première rencontre avec le génie de Giono. Il avait maintenant, Hélène, tout son sou. Ça veut dire que Homère, l'Iliade, l'Odyssée, les 20 ans de la guerre de Troie, c'était rien du tout, parce que si Paris revenait ce jour-là reprendre Hélène, Ménélas lui dirait, tiens, prends-la et garde-la. Tout ça est dans cette phrase. Il avait maintenant, Hélène, tout son sou. Ça, c'est peut-être une explication de l'absence de magnification de l'érotisme par Giono. C'est peut-être une explication. Mais je ne sais pas. Et ça, Naissance de l'Odyssée, ça m'avait... Ça, cette histoire de ce poète, Ulysse ou le beau mensonge, qui se balade. Et puis à la fin, quand même, il y a la réalité extraordinaire, c'est que finalement, il tue Antinous. Mais, pendant ce temps, Télémaque, dans un coin, appointe son épieu pour le tuer lui. Mais il mélange Fénelon avec, à la fin, il mélange Fénelon avec Homère, c'est formidable. Mais finalement, il avait écrit tout ça au dos des bordereaux de banque. Qui c'est qui a ce manuscrit? Il s'est perdu, sans doute. Parce qu'il me disait... Non, je ne dis pas ça. Pourquoi? Il me disait, tu sais pas, un jour, je vois à mes pieds des feuilles de papier dans la bibliothèque. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'était le manuscrit du Chant du Monde. On avait marché dessus, on l'avait dispersé. Voilà les choses qu'il m'a racontées. Mais finalement, tu ne vas pas être surpris quand tu vas découvrir ce qu'on a appelé le renouvellement de Giono, ou
deuxième manière, puisque toi tu as accompagné. Ah, je l'ai vu naître, je l'ai vu en formation. Je l'ai littéralement vu en formation jusqu'au grand chemin, surtout les âmes fortes. Ça a été les âmes fortes, c'était vraiment le truc. Il me dit ah, tu vas voir, Pierre, je suis en train d'écrire quelque chose d'extraordinairement épatant. Je vais faire un livre où il n'y aura que du dialogue. Effectivement, il n'y a que du dialogue. Nous venons veiller le corps du pauvre Albert. Et ça continue jusqu'à la fin. Donc, un roi sans divertissement, ça ne t'étonne pas que le Giono, ample de bataille dans la montagne, quelques années avant, écrive ce livre si nerveux, si serré. C'était la suite. Pour moi, c'est la suite. Il est nerveux, serré, mais il contient tout. Hein. Quand l'histoire de l'Apollon, si t'arrêtes de être, qui peut inventer ça sinon le Giono personne. Apollon, si t'arrêtes de être. Il devait avoir trouvé ça dans le dictionnaire, c'est pas possible. Le bonheur. Le vent de Lombardie, mêlé à un peu de pluie, secouait les réverbères. Il rejoint, quand le courrier de Banon passe à Vachère, c'est toujours le midi. Et là, c'est magnifique. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Cerruti, en lequel il se décrit absolument, quand il dit « il ne vivait en société que par surcroît ». C'est Giono. Il ne vivait en société que par surcroît. Le reste du temps, il était en tête à tête avec son œuvre et il n'avait pas le temps de s'occuper du reste. Et tout le livre est extraordinaire parce que Angelo, là-devant, ça devient un fétu de paille. Hein, c'est vraiment. Il est pris dans cette espèce de. On avait hâtivement, après la mort de Charles Auguste, on avait hâtivement enlevé les pots de chambre qui traînaient. C'est un chef-d'œuvre fait par un vieil homme. Et là, il y a tout le poids de la vie, tout le poids de l'œuvre passée, tout est. Il n'y a plus d'excroissance, il n'y a plus d'exagération, tout est. C'est Balzac sans la faconde, c'est-à-dire sans l'obligation où Balzac était de faire traîner les choses. Là, Giono, il ne fait pas traîner, hein, c'est. Ils furent torse nu en même temps, la fin, c'est magnifique, avec Giuseppe. Et puis l'entourloupe entre les deux frères de lait, c'est ignoble, l'histoire de Giuseppe, c'est ignoble. Il est tombé de l'idéalisme dans le matérialisme le plus bas, le plus ignoble. Ce frère qu'il a tant aimé, ces deux frères qui se sont tant aimés, frères de lait évidemment. Et c'est, je crois qu'il l'appelle Lavinia, je ne me rappelle plus, la mère de Giuseppe, qui a déposé sur la console les deux sabres dans un écrin. Il faut qu'il y en ait un des deux qui meure. Et tout ça n'est pas dit. Il y a du non-dit tout le temps. Donc, le bonheur fou, moi. Je m'y replonge une fois tous les 3 ou 4 ans, dans le bonheur fou. Ça, j'en bave des ronds de chapeau, parce que vraiment, c'est. Je le mets à la hauteur de Proust. Et pourtant. Eh oui, mais même. Proust n'a pas cette musique. Cette musique intérieure, ce tempo, c'est ça, c'est le tempo. Et ça, je pense que Giono, c'est justement parce qu'il avait découvert ce tempo qu'il avait, qui ne pouvait jamais être ailleurs que dans son œuvre, parce que un tempo, une tonalité, pour un chef d'orchestre, c'est la même chose, ça se suit, hein. Si vous le perdez de vue un seul instant, vous perdez l'esprit, vous êtes foutu, hein. Ça ne revient jamais. Et là, il y a vraiment le tempo tout le long de la phrase.
ça coule comme une symphonie de Beethoven, c'est magnifique. Enfin, pour moi, le Bonheur fou, c'est vraiment le sommet de l'œuvre de Giono. Et là, je n'étais pas là pour qu'il me le lise. J'avais disparu de sa vie. Et il avait disparu de la mienne. On peut dire que les 4 cinquièmes de l'œuvre de Giono ont été perdus en parole. Car, Dieu sait si j'ai eu des conversations, c'est-à-dire des monologues avec lui, je n'ai jamais retrouvé une seule phrase de ce qu'il me disait dans ses livres. Jamais. L'histoire que je raconte et qui est vraie, l'histoire du chef de gare qui avait des ailes qui lui poussaient, des monions d'ailes qui lui poussaient, et tout ça, parce que, tu comprends, me disait-il, il est cocu le chef de gare. Hein. Alors, il fallait en faire un personnage qui soit... Alors, il lui poussait les monions d'ailes, et tous les jours, il allait se promener autour de l'Obiou, ses ailes avaient fini par grandir, et il allait se promener autour de l'Obiou, il volait autour de l'Obiou, et il revenait donner le départ du train, tout truc comme ça, pendant des... L'histoire du chef de gare de Saint-Julien-en-Beauchesne, car il disait le nom, auquel il poussait des ailes, il m'a raconté ça en détail pendant des semaines. J'arrivais, je m'installais et il parlait. Et jamais dans son œuvre il n'apparaît une seule allusion au chef de gare de Saint-Julien-en-Beauchesne. Ou bien alors, il y avait une histoire encore plus extraordinaire, mais celle-là, j'en ai perdu la moitié en route. C'était celle de la grand-mère dans le fauteuil, sous laquelle, tout d'un coup, il y avait un geyser qui se mettait à jaillir. C'était des trucs comme ça. Jamais il n'apparaissait de dans son œuvre. J'ai cherché en vain des lambeaux de conversation qu'il avait avec moi, de monologues, qu'il aurait utilisé. Qu'il aurait utilisé dans une œuvre. Non, il n'en avait pas besoin. Ça jaillissait comme ça à perpétuité. Et quand il m'a raconté l'histoire de Don Quichotte, ça c'était aussi. Il vituperait après tous les gars qui avaient écrit leur guerre. Il venait d'en paraître 400 en 46-47 sur toutes les aventures qui étaient arrivées aux guerriers, ceux qui avaient été prisonniers, ceux qui avaient été dans les camps, etc. Bon, et il me disait, tu comprends, Cervantes, il a été fait prisonnier par les morts à la bataille de Lépante, et pendant 7 ans, il a été prisonnier des morts, et il est tombé en jeu de famille où l'âne qui faisait tourner la Noria est mort. Alors, on a remplacé l'âne par Cervantes, et pendant 7 ans, il a fait tourner la Noria pour l'eau de la famille. Et me disait-il, il avait donné d'extraordinaires histoires de tourneurs de Noria à raconter, il aurait pu en faire des volumes. Eh bien non, il a écrit Don Quichotte. Ça, c'est une leçon. Et c'était la leçon de toute son histoire à lui aussi. Ce que vous écrivez tous sur votre vie, sur la vie des gens qui vous entourent, qu'est-ce que ça peut me foutre? Non, moi, je n'ai rien à faire. L'histoire de la résistance, me disait-il, c'est un notaire de province qui l'écrira en 2150. Donc, pour saluer Giono, tu écris Manosque était sa bibliothèque nécessaire et suffisante. Il y a toujours une relation très bizarre entre Manosque et Giono. Aujourd'hui, c'est l'argument publicitaire de la ville de Manosque. Oui. Mais c'était autrefois un conflit, une sorte de méfiance. Il y avait le conflit. Méfiance. Il y avait la méfiance. Giono n'a pas inventé cette méfiance. C'est Manosque qui l'a inventée. Parce que pour eux, pour les Manosquins, ils étaient un peuple d'agriculteurs. Et de petits agriculteurs. Hein. Et les notables eux-mêmes étaient agriculteurs. Et aucun de ces gens-là n'avait jamais ouvert un livre de leur vie. Il faut bien dire ça. Et quand ils ont vu arriver cet homme qui prétendait gagner sa vie en écrivant, tout de suite, ils ont eu du mépris pour lui. Il y a eu une relation de mépris immédiate entre le peuple de Manosque et Giono. Parce que c'était un métier de feignant. Il aurait peint, peut-être le problème n'aurait pas été le même, même s'il avait peint des croûtes.
parce que la peinture, ça représentait quelque chose de concret. Hein. Le gars qui se balade avec sa boîte de peinture, le chevalet, et puis le cadre, bon, ça, on peut admettre qu'il y a quelque chose. Mais un homme qui s'enferme dans une pièce et qui avec une plume, alors qu'on a quitté la plume depuis longtemps, depuis le temps de l'école, on ne se souvient plus. La plume, c'est quelque chose, bon, ça sert à faire des comptes, mais ça ne sert surtout pas à écrire des histoires. Et une histoire, qu'est-ce que ça peut rapporter, une histoire? C'était ça, le truc. Et puis Giono était le fils du cordonnier. Il eût été le fils du notaire. Peut-être y aurait-il eu de certaines considérations, hein, un certain respect. On aurait dit, bah, il a fait des études, alors il écrit. Bon. Mais là, il n'avait pas fait d'études et il écrivait. Et en plus, il était le fils du cordonnier qu'on avait rencontré, les parents des gens qui avaient alors 20 ans. Ils avaient rencontré le père de Giono, ils avaient rencontré sa mère qui était blanchisseuse. Tout ça faisait un substrat qui était insolite. Et l'insolite à Manosque, c'était pas prisé. Voilà. C'est ça le truc. Le substrat de la Provence pour Giono, c'est le substrat de Van Gogh pour la peinture. Van Gogh s'est servi du pont de Ringetaille, mais en fait, bon, ça n'avait pas une importance capitale. Hein. La Provence pour Giono n'avait pas une importance capitale. Aujourd'hui, et c'est ça qui est catastrophique, on essaie de le récupérer. La Provence essaie de récupérer Giono, de le mettre à une hauteur, à le niveler par le bas, comme on fait toujours, c'est-à-dire à le rendre inoffensif. Hein. On le mélange avec Bosco, avec Pagnol, avec etc. On fait son petit truc. Ça, c'est absolument inadmissible et il ne faut pas que les générations futures s'y trompent. Giono est un écrivain universel. Pagnol n'est pas un écrivain universel. Mistral n'est pas un écrivain universel. Ils n'ont pas créé une langue. Seul Giono a créé une langue. Seul en Provence. Seul. C'est ça. La base de la chose, c'est ça. Et je pense qu'en ce moment, il y a une très grande, comment dire, propension à récupérer Giono. C'est-à-dire à le faire servir. À le faire servir à la Provence. Et c'est ça ce qui est inadmissible. Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis résolument régionaliste. Oui, moi, j'ai eu besoin de la Provence pour écrire. Oui, moi, toutes les choses que je décris sont vraies ou presque. Hein, presque. Bon. Mais Giono, il ne s'est pas servi de la Provence. Il a utilisé vaguement quelque chose qu'il avait autour de lui et qui lui convenait. Par la musique, surtout. Car c'est ça, la Provence, c'est la musique, hein. Le fait d'être né dans ce pays, d'avoir entendu la musique de ses voix. Chez nous, quand il y avait les foires là, à Manosque, aujourd'hui on n'entend plus rien. Hein. On n'entend plus rien parce que, bon, d'abord, les gens n'ont plus envie d'exprimer. Et ensuite, parce que le contexte aussi, c'est du cant à soi. Mais à l'époque, les jours de foire, on s'interpellait d'un bout de la grande rue à l'autre. Il y avait des voix d'alto, il y avait des voix de soprano, il y avait toutes sortes de voix, tout ça se mélangeait. Il y avait la voix de la bouchère, il y avait la voix de la pâtissière. Tout ça hurlait, bramait, parce qu'il fallait compter avec le mistral. Il y a toujours eu du vent, il y a toujours eu de l'air, et il y avait cette musique. Cette musique incroyable qui était particulière à Manosque. Et puis ces jardins autour, ces petits trucs. C'est pour ça que je dis que j'ai eu à ma disposition que les éléments que Giono a traités. On ne peut pas échapper à ça. Il n'utilisait pas plus le mot lavande que ce qu'il utilisait le point-virgule. Il me disait le point-virgule, c'est la pierre d'achoppement de la langue française. Oui, ben. Moi, j'ai cru ça pendant longtemps sur sa foi. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi diable n'utiliserais-je pas le point de virgule? Parce que Giono me l'a dit. Et le point de suspension. Il n'y a pratiquement pas de point de suspension chez Giono. Mais alors, il y a beaucoup de parenthèses. Ah ça, les parenthèses. Surtout dans les livres où il se raconte. Et il m'a quand même appris à écrire. Le jour où il m'a dit,
C'est incommensurablement plus difficile que tu ne crois. Je crois que c'est là qui m'a rendu le plus grand service qu'on peut rendre à un écrivain. Parce que tout d'un coup, j'ai vu vraiment la difficulté. Et j'ai vu, il a placé la barre très haut. Et il me disait, habitue-toi à faire des phrases courtes. Il m'a dit des quantités de choses comme ça. Mais il disait, Tide lui disait, il veut écrire, et il lui disait, non, il veut se cultiver, c'est tout. Il lui a jamais dit que... Mais... Parce que c'était tellement incongru, c'était tellement... Je ne comprends pas. Je ne comprends encore pas aujourd'hui comment j'ai pu faire ça. Comment j'ai pu me mettre à écrire derrière Giraudoux et en ayant lu l'œuvre de Giraudoux. C'est-à-dire, si j'avais lu l'œuvre de... citer personne, mais un de ceux qui ne sont pas parmi les cinq qui resteront dans le siècle. Je pourrais dire, c'est normal, parce que, après tout, celui-là, il n'est pas tellement extraordinaire, je peux me mesurer. Mais Giraudoux, il est bien évident que... J'ai parfaitement eu conscience de ce qu'on dirait que je faisais du sous-journaux. Et puis si je faisais déjà du sous-journaux, ce serait déjà pas si mal. Hein? Bon. Mais il est absolument évident que j'ai parfaitement eu conscience de ça et que il fallait être complètement fou pour être né à Manosque et se mêler d'écrire. Hein? Ça, c'est sûr. Après, journaux, c'est... Je serais né à Paris après Léon-Paul Fargue. Bon, il y en a 6000 d'écrivains qui sont nés à Paris. Mais Manosque, 3500 habitants, un gars qui a écrit une œuvre considérable, qui est déjà... il est membre de l'Académie Goncourt, il est reconnu, il est traduit dans toutes les langues, et un autre dessous qui vient se mêler d'écrire. C'est inimaginable.